Coucou tout le monde, ici l'opinion directe des Sims 4. On se retrouve pour le relooking de la maison de la famille d'Ella Luna, n'est-ce pas? Alors en fait, j'ai commencé à jouer dedans et c'est très désagréable de jouer dans une maison pas finie, si on peut dire ça ainsi. Donc déjà, pour commencer, je vais juste faire quelque chose de droit, là, juste là. Je vais essayer de me dépêcher. Je ferai les finitions, je pense, probablement hors caméra. Ah oui, donc j'ai plus de sous. Donc voilà, juste pour les travaux. Qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus ce que je voulais dire. Oui, donc je finirai sûrement les petites décos, etc. hors caméra, puisque je veux pas que cet épisode dure trop longtemps. Mais j'ai pas envie de bâcler non plus, donc je vais faire ce que je peux, voilà, tout simplement. On va commencer par le haut avec cette salle de bain. Cette salle de bain, c'était pas pratique de jouer dedans. Alors, non, en fait je vais changer, je pense que je vais changer au moins le mur. Autant le sol, ça peut passer, autant le mur, c'est pas possible. Donc le mur, on va mettre quelque chose qui pète un peu, sans mauvais jeu de mots, histoire de de pas faire quelque chose de... On va faire du bleu et du vert. Comme ça, ça va être sympa. Ensuite, je vais mettre donc le lavabo ici. Là, je voudrais mettre ma douche. Peut-être... je sais pas trop. Je sais pas trop pour le coup, là déjà toi l'arbre tu dégages. Donc salle de bain. En fait je sais pas trop comment je vais positionner ça. Je voudrais mettre une petite baignoire dans le coin. Mais j'ai pas envie que tout le monde voit la baignoire en mode ouais salut ça va, tu prends ton bain, ouais bah moi je vais prendre ma douche et tout va bien. Je vais mettre une petite baignoire comme ceci. Je pense qu'on va mettre des petits murs. Des petits murs. Oula. Comme ça. Voilà, comme ça, tu pas trop dérangé dans ta baignoire. Je vais en mettre un autre, comme ça, je vais mettre les toilettes au milieu. Et un autre pour mettre la douche. Comme ça, ils ont quand même relativement un petit peu d'intimité. Les lavabos, je vais en mettre deux. Donc comme ça, je voulais peut-être une hauteur un peu plus haute pour la douche au moins en tout cas. Voilà, ce sera mieux. Donc je vais mettre ça en bleu. En bleu. Je suis paumée. Je suis paumée dans mes bêtises. Là je vais mettre ça. Comme ça. Et puis on va en mettre un autre. Voilà. Hop là. Donc ici je vais mettre mes toilettes. Je vais quand même rajouter des petites fenêtres histoire de bien voir. Voilà. Alors, les toilettes, je suis pas spécialement fan de cette salle de bain, mais en fait, si je ferme là, on va perdre de la place. Enfin, je sais pas trop. Je sais pas trop comment me débrouiller. Donc, déjà les toilettes, pour commencer. Voilà. Côté salle de bain, enfin, côté baignoire, je veux dire. Est-ce qu'on peut mettre un petit rouleau sur le... Oui, on peut, c'est trop bien. Donc je vais mettre ça là, je vais mettre une jolie serviette. Ce serait cool si on pouvait mettre... Voilà, ça. C'est ce qu'il me faut. Non, pas celle-là. Quelque chose de coloré. J'ai envie de colorer, moi. Je vais baisser un petit peu la caméra parce qu'on ne voit qu'à moitié ma tête. Quelque chose de coloré, pas jaune.
Mais il faut quelque chose qui flash quand même. On va mettre un petit peu de violet. Voilà, une petite touche de violet. Quoique ça va peut-être faire un peu trop cacophonie de couleurs. Alors je vais mettre du vert tout simplement. Ah, de vert et blanc. Ah, ce vert là est parfait. Du coup, dessus je vais mettre des petites bougies. Enfin, des vraies bougies en l'occurrence. Les bougies lumière. Si je les retrouve. Je ne les retrouve jamais. Toujours quand j'en ai besoin que je les retrouve pas. Ah, les voilà. Ou plutôt celle-ci. Celle-ci en bleu. Voilà. Et puis du coup, on va mettre à côté là une jolie serviette, s'il vous plaît, une jolie serviette. Voilà, donc celle-ci juste au-dessus. Hop. Là, qu'est-ce qu'on veut mettre? Alors là, déjà, je vais mettre un petit meuble. Ou plutôt celui-là. Ouais. Et bien celui-là. Un petit meuble comme ça, et puis le truc, l'armoire à pharmacie là, en blanc, comme cela. Donc c'est déjà mieux. Des petits peignoirs, enfin un petit peignoir. Je vais en mettre un autre en face. Hop là. Voilà, donc ce sera tout pour la première salle de bain. Bon. Le but étant de pas non plus tout modifier la maison, puisqu'il y a quand même un certain charme. Hein, et ce serait bête d'entièrement la modifier. Enfin, je sais pas. Ensuite, est-ce qu'on pourrait agrandir un peu les chambres? Ça sert à rien d'avoir un couloir aussi large, je trouve. Surtout pour rien mettre dedans. Donc, je vais faire ça. On fera des chambres un peu plus grandes. Hop. Voilà. Donc, comme ça, c'est bon. Ensuite. Alors, déjà, le lit du petit. Le lit du petit va être comme ça. La chambre, ça me... J'aime pas, je vais plutôt le mettre le lit comme ça. Et vous, ils sont trop mignons en train de dormir. Vous, le lit comme ça, il faut que ce soit cosy quand même. Donc là, tu auras ton lit là, tu auras, je pense, le bureau par là. Le gamin, on va lui mettre des jouets. Voilà, donc des jouets pour le petit. On va commencer par la chambre du petit. Alors. Je pense que si les vidéos sont trop longues, je ferai deux parties. Hein. Alors, du violet du coup pour lui. Bah, allons-y pour le violet alors. Du coup là, je vais plutôt faire une zone jeu. Donc ici, ce sera plus ton coin tranquillou, faire tes devoirs machin. Puisque tu veux du violet, on va te mettre du violet, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'on peut mettre plus violet ou non? C'est vraiment très très rose. Hein. Bon, c'est pas grave. Et je vais plutôt mettre une chaise blanche. Alors, ensuite, on va te mettre des jouets quand même. Parce que bon, une chambre sans jouets, c'est un peu triste. D'accord, je peux pas lui mettre. Elles sont tellement énormes, les maisons de poupées, c'est abusé. Pff, attends. On va mettre ça là. On va mettre ça dans la chambre de ta soeur en attendant. Ça veut bien, scrogneugneu. Donc ta maison de poupée, on va te mettre un château, on va le mettre comme ça. Ici, on mettra donc ton bureau. Là, il y aura la table de nuit. Si j'y arrive. Ensuite, on va te mettre quand même des jouets. Genre un petit coffre. Un petit coffre. Hop, un coffre à jouets. Quoi d'autre? Une bibliothèque, ce serait pas mal. Hein, quand même. Petite bibliothèque, voilà. Une commode aussi, ce serait bien.
Qu'est-ce qu'on peut te mettre comme jolie commode? Non, pas celle-là, elle est pas jolie. Une autre couleur, sinon. Blanc, il n'y a pas. Il n'y a pas blanc. Bon, mais on va mettre une autre. On va mettre celle-là. Par contre, je pense que je pourrais plus mettre la porte. Sinon, c'est pas drôle. Si on peut, c'est parfait. Donc ça me paraît bien, déjà. Ça me paraît bien mieux. Alors, par contre, le papier peint, en fait, il est terne. Il est beau, mais il est trop terne. Je trouve ça un peu dommage. Voilà, quelque chose d'un peu plus clair, d'un peu plus sympa. Voilà, il faut vraiment que ce soit lumineux parce que la maison n'est pas spécialement bien éclairée. Alors si en plus on fait pas du lumineux, on va être dans le... Oula, oula, ça c'est trop... Ouf. Trop flash. Je pourrais lui mettre ça. Ça va très bien avec le... Ouais, non, on va lui mettre un peu plus fade, voilà, comme ça. Mademoiselle, tu auras donc peut-être plus comme ça, ouais, là c'est parfait. Et par contre, le rouge dans la chambre des parents, ça va pas du tout. Enfin, si c'est joli, mais pour moi c'est trop rouge. Qu'il y ait des accessoires rouges, il n'y a pas de problème, mais tout rouge, tout rouge, tout rouge, pour moi c'est de trop. Alors, du coup, hop. En bas, on va faire pareil. Il faut vraiment que ce soit clair. Il faut que ce soit lumineux. Il faut que ce soit. Faut que ce soit beau. Par contre, j'aimerais bien savoir pourquoi ça me fait ça. Ok. Donc, en fait, c'est comme si. D'accord. C'est quoi ce problème là? Ok, c'est pas grave. Bon, alors du coup. Je suis pas d'accord, moi. Je ne suis pas du tout d'accord. C'est quoi ce problème? Mais what? Mais qu'est-ce qu'il a fait, Renan? On va fermer là pour voir. Si je fais ça, t'es pas censé me... Voilà, je préfère. Bon, n'importe quoi. Tiens, moi, le parquet, pendant qu'on est là, le parquet, ça va pas. Il n'est pas assez clair. À mes yeux, en parlant de clair, je vais allumer la lumière, ce sera pas mal. Waouh! Que la lumière fuit! Je vais pas mettre du parquet non plus trop clair. Voilà, ça. Ça, c'est bien. Enfin, ça, j'aime bien. On va en mettre partout dans les chambres et dans le couloir. C'est parfait. Petit lampadaire ici. Hop là. Voilà, comme ça. Par contre, l'escalier, non. Non. Non, 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 non. Je ne suis pas d'accord avec cet escalier. On va en mettre un blanc, ce sera beaucoup mieux. J'ai supprimé toute la maison. Non, 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 je suis pas d'accord. Hop, et d'ailleurs, si on supprime ça, ce sera pas plus mal. Ensuite, cette pauvre micro salle de bain là, ça va pas du tout ça. Il faudrait. Alors, comment je vais faire? Parce qu'il est pas, il est hors de question de la casser ou de la changer, puisqu'en soi elle est de bonne taille. Juste peut-être rajouter une petite douche si j'y arrive. Ouais, ça va nous faire perdre de la place de ouf. Je peux pas vraiment faire autrement. À moins de caser les toilettes dans le coin.
comme ça. Et du coup, le lavabo, on le met là. Et la douche comme ceci. Voilà, c'est mieux. Un grand miroir, s'il vous plaît, pour regarder notre beau reflet. Ça me va mieux déjà, ça me va mieux. Petit rouleau de papier. Et puis un peignoir. Et une serviette peut-être. Bon, c'est pas utile, hein, mais c'est juste histoire de faire un peu de déco. Quelle couleur on pourrait faire? Oh oui, ça c'est beau, j'aime beaucoup. Voilà, donc on va mettre des comme ça. Là, on mettra donc du carré blanc. Et par terre, qu'est-ce qu'on peut mettre par terre? Est-ce qu'il y a des carreaux verts? Visiblement non, peut-être là. Non. Non, ça fait trop pâle. Ça fait trop blanc là. Voilà, un petit peu de gris pour. Voilà. Bon, c'est déjà mieux. La cuisine, bah la cuisine, j'ai pas spécialement envie d'y toucher, hein. Elle est bien la cuisine. Juste mettre cette poubelle dehors et on va en prendre une autre pour l'intérieur. Sinon, elle me paraît bien. On met peut-être mettre un petit peu plus de couleurs. Genre, j'ai une table rouge, une violette, ça va pas marcher, une bleue. Comme ça. Et puis une jaune, allez, zou. Il y a quoi? Il y a peut-être un peu plus moderne. Plan de travail un petit peu plus moderne. Genre celui-là. Oh, il est beau là. Voilà, mais en soi, j'ai rien touché, hein, les cuisines. C'est toujours la même. Comme ça, est-ce qu'il y a de quoi faire un petit truc sympa. Je voudrais peut-être mettre un tout petit peu de déco, histoire de. Hop. Comme ça. Par contre, le sol, c'est moyen. Non, c'est pas terrible, terrible. Mettre le parquet aussi. Juste faire une jolie façade à carreaux. Alors, comment je la fais? En bleu. Voilà, et je vais garder une touche de blanc. Enfin, blanc gris plutôt. Hop là. Voilà, donc en soi, j'ai rien changé. Pareil. Là, il y a une petite bibliothèque. Là, c'est très, 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 très vide. Déjà, ici. Alors, je vais refaire les fenêtres. Moi, je veux de la luminosité. Je veux que ça brille. Je veux que ça pète. C'est ça. Donc déjà ici on va faire ça. Ensuite, ensuite on va mettre de grandes fenêtres. Moi j'aime les grandes fenêtres. Comme ça. Voilà. Donc comme ceci, c'est parfait. Donc là, on va mettre la bibliothèque. Non, en fait, j'aime pas trop là. Ici. Et là, du coup, on pourrait mettre un coin bah, pour qu'ils fassent leur yoga, pour qu'ils fassent leur truc, leur machin. Le coin forêt, c'est gentil, mais. Peut-être déplacer un peu les arbres.
De toute façon, je pense que la maison, j'essayerai de la agrandir. On est d'accord, je fais le code, c'est juste pour pouvoir décorer tranquillement. Et je pense qu'ensuite, bah, je jouerai sans code, évidemment. Et j'essayerai d'agrandir au fur et à mesure la maison. La maison. Je vais mettre des fenêtres dans l'entrée. Ça ne peut qu'illuminer la chose. Hauteur trop haut, il n'y en a pas des petites. Ah si, il y en a des petites. Hop. Et hop. Voilà. Comme ceci, donc. C'est mieux. La télé, je la change pas. Je vais juste faire ça. Et voilà, comme ça fait une grosse télé. Ensuite, je vais changer la couleur des fauteuils puisqu'ils sont un peu tristes, je trouve. Genre, je vais essayer d'en mettre bah, de plusieurs couleurs. Voilà, des couleurs chaudes. Et puis on va mettre des tapis parce que les tapis, c'est ma vie. Comme ça, donc vous savez ce qui manque aussi, il manque une cheminée quelque part. Et accessoirement, il manque des plantes. Une jolie cheminée et surtout des plantes. Moi, je veux des plantes. C'est pas possible sans plantes. Il y a Ren qui est en train de regarder, en train de se dire qu'est-ce qu'elle fout. T'as une drôle de tête, Ren. C'est une... Cette gueule, pardon. Hop là, là, qu'est-ce que je vais mettre là? Je sais pas. Oui, j'avais dit du yoga et tout le bazar. Bon, on verra tout à l'heure. Une petite table là. Ce serait pas mal. Une jolie petite table basse en verre. Des chiottes vertes. Ouais, pourquoi pas. Regarde, c'est joli, non? Bon, cela dit, comme ça, quand on le vomit, il n'y a plus besoin de nettoyer, ça se voit pas. Oh non! C'est bête. Hop là. Mais... Ça marche pas. Là, c'est très vide. Faudrait que je mette des tableaux. C'est déjà 23 minutes. Voilà. Ah oui, c'est ça que je voulais mettre dans l'entrée, une table. Une table pour qu'ils mettent leurs petites affaires. Alors ça. Des livres. Pot à crayon, un truc pour le café le matin, des bougies, ça va, Ruru? T'as l'air sceptique. Non. Elle a dit que ma maison c'était de la merde. C'est pas de la merde. Elle est vide. C'est tout. C'est loin d'être de la merde, hein. Un frigo dans l'entrée? Mais non, attends.
Et voilà, comme ça, on gagne la place. Pour mettre du bordel. Et mes petites épices, c'est important les épices. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça va. Là, voilà, bon, ça va. Et puis, un tapis dans l'entrée, tiens. Quelle couleur? Ça a l'air trop blasé. Non. Je suis trop concentrée là. Là. Et on retourne là-haut. Alors, on a été avec le petit. Le petit, on va lui mettre un petit tapis mignon. C'est trop grand. C'est toujours trop grand quand j'en ai besoin. Voilà, ça. Est-ce qu'il manque quelque chose? Bon, après, on peut toujours mettre des petits machins, mais. Hormis de la déco, là, en soi. Hop. La touche pour agrandir les objets est vraiment pratique. Ouais, trop grand. C'est une maison, pas un musée. Et alors? Il y a besoin de décoration. Non. Alors, je voulais mettre une cheminée dans la chambre des parents. Donc, on va faire ça. Et j'ai mis deux fois le même cadre. Voilà, là, on va dire que c'est le papa de là. De la dame de Fatou, voilà, je sais plus comment elle s'appelait. La fille qui ne servait pas du nom de ses Sims. Et comme ça fait déjà 29 minutes, on se retrouvera pour un prochain épisode. Donc la suite et la fin, je suppose, de la décoration enfin, du relooking et de la maison. En attendant, je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à la prochaine. Salut!